on est arrivé ici, dans le quart d'heure qui a suivi, on a dit ben, ici ça sera notre mielerie, ben, là il y aura notre maison d'habitation et puis cette vieille grange qui était complètement qui n'avait pas servi depuis des années, donc c'était une grange, hein, et on a dit là on fera un gynéta. L'agritourisme à cette époque-là était favorisé par le département et donc on a eu pas mal d'aide pour créer justement le gîte d'étape en complément de l'installation en apiculture. L'humain, c'est justement de partager ce lieu, quoi. Nous, on a la chance d'y vivre toute l'année. Nous, c'est tout simple. Hein. Le principe, c'est essayer. Des fois, on fait abstraction du fait que c'est un gîte d'étape, quoi. On accueille des gens comme si on était un particulier dans sa maison et qu'on accueille un copain de la famille, quoi. Que les gens se sentent bien, quoi. C'est tout simple. Sur internet, quand j'ai vu votre démarche, je me suis dit, ben voilà, ça m'intéresse. C'est-à-dire avoir des observateurs qui se promènent dans toute la France, qui voient ce qui peut se faire, sans être vraiment enfermés sur nous-mêmes, mais quand on sort d'ici, c'est plus pour la détente, le loisir. Donc, voilà, vous êtes là pour nous montrer ce qui peut se faire ailleurs, et ce qu'on peut